comment sortir de la trilogie du bourreau, de la victime et du sauveur, et donc du monde des gentils et des méchants. Alors il faut savoir que déjà c'est notre culture qui nous amène à avoir ces comportements de gentils et de méchants. Ça vient à la fois de notre culture et en même temps de nos blessures intérieures de l'enfance qui vont nous amener à être soit gentils, soit méchants. Et donc j'ai pu observer dans ma vie, dans ma famille, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, les communautés, les associations, que partout où j'allais, on retrouvait cette trilogie des bourreaux, des victimes et des sauveurs. Et avec tout le désarroi, toute l'impuissance que ça génère, on voit bien depuis des millénaires qu'on a des systèmes de justice avec des policiers, mais que ça n'empêche pas les malfrats d'être plus nombreux, et ça n'empêche pas les gentilles victimes de continuer d'être victimes. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment on sort de ce paradigme. Donc déjà, ce qu'on va voir, c'est les trois postures. Donc ça, c'est vraiment la caricature du gentil. Il est doux, il est sympa, il va tout faire pour être sympa, l'amour. En fait, très souvent, il va mélanger le mot amour avec le mot peur. Hein. Il va être généreux et gentil parce qu'il a peur qu'on lui frappe dessus, qu'on le juge, qu'on le rejette, qu'on l'abandonne, qu'on le blesse. Mais ce qu'il va brandir vraiment, c'est l'amour. Donc lui, c'est notre méchant. Souvent, c'est un gentil, le méchant, qui n'a pas la même capacité à supporter. Donc il va essayer. Donc au départ, c'est un gentil. Il essaye d'être gentil. Il prend sur lui. Il monte sous pression. Il en a tellement ras-le-bol d'oublier ses besoins, de négliger ses besoins pour être doux, généreux et souple, qu'à un moment, pac, il s'énerve, il pète un câble et il va venir cogner sur le gentil, lui dire des méchancetés, des choses dures, des choses agressives. Il va lui crier dessus en pensant qu'à lui, il pense pas à nous, il pense surtout à son objectif, à lui. Et va y avoir donc un troisième spectateur. Donc on imagine au départ, on avait trois bisounours qui étaient là au pays des bisounours, au pays de l'amour, parce qu'on rêve tous de ça en fait. Dans le fond, on rêve tous d'un monde de douceur et de chaleur et de bienveillance. Donc on imagine au départ, on avait trois bisounours, paf, il y en a un qui a pété un câble qui s'est transformé en Taz. Et là, il y en a un autre qui a vu la scène, qui a vu Taz cogner sur bisounours. Et là, paf, bisounours se transforme en Spider-Man, le justicier. Donc lui, il a la même force et le même courage que Taz. Et il va, soi-disant, se mettre au service du bien commun. Donc il vient protéger la victime, le gentil. Qui en fait, le gentil, il n'est pas victime parce que Taz est méchant. Il est victime parce qu'il ne sait pas marquer son territoire, parce qu'il se laisse envahir. C'est à 50% de sa faute, mais il ne veut pas le reconnaître. Et quand, lui non plus, d'ailleurs. Quand tu dis que Bisounours se transforme en justicier, en sauveur, c'est qu'à la base, il a la place de... Comment dire? Il s'est mis dans le rôle de gentil. C'est ça. Et que d'un coup, il prend un autre... Il était gentil, tout se passait bien. Il va pas être très très vigilant sur ce qui se passe entre les différents bisounours parce que en fait lui aussi il néglige ses besoins, il prend sur lui et lui aussi il monte sous pression comme Taz. Et quand d'un seul coup Taz pète un câble et va maltraiter bisounours, c'est là où le justicier il va pouvoir lâcher ses nerfs, il va pouvoir vider son sac et venir se venger sur Taz et le mettre en prison. Le justicier, quand on voit que il va pas aller faire réellement l'enquête entre les deux et de dire « Toi, Bisounours, t'aurais eu besoin de quoi ? Toi, Taz, t'aurais eu besoin de quoi ? C'est quoi qui aurait pu être gagnant-gagnant entre vous ?» Non, lui, il va faire le juge et il va décider que lui, c'est le gentil et lui, c'est le méchant. Et donc, du coup, forcément, quand il vient lui mettre une rouste, le fils de Taz, qui est encore un petit Bisounours, qu'est-ce qu'il voit, lui ? Il voit un méchant, il voit pas le justicier. Il va faire comme lui, il va regarder les choses sous l'angle qui l'arrange. Et donc, quand le fils de Taz va grandir, il va être Taz, et ça va devenir un vrai méchant. Il n'aura qu'une envie, ce sera de casser des justiciers. Une fois qu'on a mis Taz en prison, ploc, il redevient bisounours, et on est de nouveau au pays des bisounours. Et on remonte sous pression, on prend sur nous, on néglige nos besoins, on les met de côté pour que ça se passe bien, et jusqu'à ce que, paf, un autre bisounours se retransforme en Taz. Paf, un autre bisounours se retransforme en justicier et rejoue le truc. Et on le remet en prison et on tourne là-dedans depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et vous pouvez observer ça dans vos associations, dans vos familles, hein, entre les frères, les sœurs, où il y en a un qui va venir faire une crasse à l'autre parce qu'il en a ras-le-bol que l'autre lui fasse des trucs par en dessous.
puis voilà, le grand frère qui va venir et qui va en cogner un des deux. Et donc on n'apprend pas vraiment la bienveillance, on n'apprend pas la paix en faisant ça. C'est un paradigme qui est assez triste. Et ce qu'il faut bien comprendre, là, on pourrait vite se sentir jugé, se dire « Ah, mais moi, je suis un bisounours » ou « Moi, je suis un taze ». Il faut bien comprendre que là, on a affaire à trois êtres maladroits qui tentent maladroitement de combler des vrais besoins fondamentaux. Ils ont juste une stratégie un peu foireuse. C'est la trilogie bourreau-victime-sauveur pour combler leurs besoins. C'est important de bien comprendre, en fait, c'est les blessures intérieures, c'est vos blessures intérieures qui vont vous amener à avoir ces trois postures. Ces cinq blessures intérieures, là, trahison, rejet, abandon, injustice et humiliation. Et le truc mémotechnique, c'est que tout rentre dans le mot trahi. Vous avez les initiales dans le mot trahi. Et donc on fait ça parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Les gens gentils tentent de combler leurs besoins relationnels comme ça, mais ils ne savent pas faire autrement. S'ils savaient faire autrement, ils feraient autrement. Mais le problème, c'est que notre paradigme sociétal ne nous invite pas du tout à ça. Toute notre culture, la justice, enfin, on voit bien que la justice, elle est partiale. Entre un pervers narcissique et sa victime, on met le pervers narcissique en prison, mais on ne va pas forcer la victime à aller voir un psy. Donc cette victime, ce gentil, quand il va se remettre dans une autre relation, il y a de grandes chances qu'il recrée le même scénario. Et moi, pour moi, on va dire, on a affaire à deux personnes qui ont une maladie émotionnelle et mentale, hein, ces deux paradigmes. C'est qu'il y en a un qui ne gère pas ses nerfs à outrance et qui pète des câbles, et l'autre qui gère ses nerfs à outrance et qui néglige ses besoins. Donc dans les deux cas de figure, en fait, on est dans une forme de malveillance. On va voir ça avec ce poster. Et donc là, on va voir, en fait, ce schéma, ça illustre le comportement bienveillant, donc qui va être assertif, qui va être plutôt authentique. On va essayer d'être vrai et bienveillant. Et ici, on a un comportement qui va être plus ou moins faux, où on va être plutôt dans le paraître, à essayer d'être un bisounours, à essayer de ne pas être un taze, à essayer d'être un vrai Spider-Man. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que les trois dans ce paradigme ne s'aiment pas beaucoup, en fait. Ils vont avoir tendance chacun à négliger leurs besoins. Donc je dirais que la première malveillance qu'on va faire quand on est gentil, c'est de commencer déjà par négliger ses besoins à soi. On va se mettre de côté nos rêves, mettre de côté nos besoins, hein, pour que ça se passe mieux. Et après, vu que j'y arrive, vu que j'arrive à me contenir en tant que gentil, eh ben, je vais me positionner comme un exemple. Si vous faisiez tous comme moi, eh ben, ce serait l'harmonie. Sauf que quand on fait ça, eh ben, on monte tous sous pression jusqu'à ce qu'il y en ait un qui pète un câble. Ensuite, là, on va avoir le comportement malveillant. C'est lui, il va être capable, il va avoir le courage d'aller confronter le bisounours et d'aller lui rentrer dedans. En même temps, il n'est pas au service du bien commun. Il est au service que de ses besoins à lui, que de sa stratégie à lui en tant que méchant. Il n'est pas au service du tout, il est au service de lui. Et donc ça, c'est vraiment un processus où, si on prend l'exemple, c'est « je ne m'aime pas et ne m'accepte pas avec mes limites et mes incohérences ». Donc je suis gentil, je suis un bisounours, je ne m'aime pas si je suis égoïste, je ne m'aime pas si je m'affirme, je ne m'aime pas quand je prends ma place. Je préfère la laisser aux autres pour que ça se passe mieux. Donc lui, il va négliger. Il ne va pas arriver à s'aimer dans son entièreté. Ses côtés obscurs, par exemple, son côté un peu maladroit ou un peu égoïste, eh ben, il va les occulter. Lui, en fait, c'est un peu pareil. Il ne va pas forcément bien s'aimer quand il comble ses besoins au détriment des autres, que les autres le font culpabiliser en disant « qu'est-ce que t'es méchant, qu'est-ce que t'es égoïste ?» Eh ben, il ne va pas s'aimer. Il ne va pas aimer non plus son côté égoïste, et vu qu'il est quand même assez dur et assez malveillant avec les autres, il ne va pas s'aimer par rapport à son côté émotionnel non plus. Et donc du coup, les deux vont s'aimer à condition. Je t'aime à condition que tu sois gentil. Je t'aime à condition que tu négliges pas mes besoins. Et directement, les autres m'aiment à condition que je sois gentil, à condition que je sois souple, à condition que je sois excellent dans mon domaine. Donc lui, il va chercher l'excellence. Donc je m'aime à condition d'être excellent.
tout est conditionné. L'être ne s'aime pas tel qu'il est, il s'aime si il fait quelque chose d'autre que ce qu'il fait. Et donc là, pour sortir du paradigme de la trilogie bourreau-victime-sauveur, c'est d'accepter qu'en fait, on est les trois en même temps. On est des êtres complets, avec à la fois des besoins de justice, à la fois des besoins de douceur, et à la fois des besoins d'objectif et d'efficacité. Et que ces trois personnages au fond de nous sont en nous, et qu'il faut arriver à les écouter les uns les autres pour arriver à établir de la justice qui prenne soin de la relation et des objectifs. Et donc là, c'est ce qu'on voit dans ce paradigme. Un être guéri de ses blessures intérieures, c'est un être qui s'aime dans son entièreté, qui s'aime avec toutes ses facettes, obscures comme claires, et qui accepte « je ne suis pas parfait, je ne suis pas fini, je suis spécial, je suis unique ». Tu vois, moi par exemple, je suis dyslexique, il ne faut pas attendre de moi que je fasse des textes sans faute d'orthographe, ce n'est pas là où il faut m'attendre en fait. Et je m'aime bien quand même. Alors quand j'étais petit, quand la maîtresse m'humiliait au tableau, oh, qu'est-ce que je ne m'aimais pas, je me sentais nul, je me sentais... Et donc, ben, du coup, quand on sort de ces blessures intérieures, donc là c'est de l'ordre de la thérapie, hein, il faut, je pourrais expliquer ça dans d'autres vidéos, comment on guérit les blessures intérieures. Mais donc quand on a guéri ces blessures intérieures, on s'aime et s'accepte avec ses limites et ses incohérences. Grâce à ça, vu que je m'aime avec mes limites et mes incohérences, mes côtés obscurs, je les vois en toi. Je vois aussi tes limites, tes incohérences et ton côté obscur. Et du coup, ça me permet d'être en empathie avec toi, je te comprends mieux, parce que je vois bien ces facettes en moi. Et en retour, toi, vu que tu me vois m'aimer avec mes côtés obscurs et mes côtés clairs, et qu'en même temps, je te juge pas, je te rejette pas, je te critique pas pour tes côtés pas clair et obscur et des fois un peu maladroit, eh ben tu m'aimes bien. Malgré le fait que je sois pas parfait. Et donc du coup, vu que tu m'aimes bien, ben je m'aime plus. Je m'aime plus et m'accepte plus avec mes défauts et mes incohérences. Donc du coup, en retour, mon estime de moi monte encore et ça me permet de t'aimer encore plus. Et donc là, on est vraiment dans le cercle vertueux d'être soi. D'être. On est dans l'être, alors que là, on est dans le moi, dans l'ego, dans le personnage, dans le paraître. Et donc... Ça sous-entend d'accepter sa part d'ombre. Voilà. Ça sous-entend vraiment d'accepter ce qui est. C'est comme si la nature elle nous avait créé le jour et la nuit, l'été et l'hiver, et c'est comme si les bisounours, ils rêvaient d'un grand été où il ferait toujours jour, et il y aurait toujours à manger, il n'y aurait pas de jeûne comme au printemps pour les oiseaux par exemple, hein. Au printemps tous les oiseaux ils serrent la ceinture, en hiver aussi. Bah, les oiseaux, si on leur laissait le choix de créer le pays des bisounours, ils feraient comme nous, ils essaieraient de faire des greniers pour jamais manquer de nourriture, ils essaieraient d'avoir toutes les femelles pour être sûr de ne pas se retrouver au printemps sans femelles. Et ce qui est maladroit, enfin ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'on essaye de faire ça, nous la race humaine, vu qu'on est un peu plus que les oiseaux, grâce à notre lobe frontal et notre pouce préhenseur, on peut changer la matière, changer le monde. Et donc du coup, on influence le monde pour se retrouver à l'abri, pour se retrouver au chaud, et on essaye désespérément de créer un pays des bisounours. Et ça nous crée cette trilogie des bourreaux, victimes, sauveurs. Pour moi, ce qui est vraiment important de souligner là, dans cette vidéo, c'est le paradigme qui vient de la gentillesse. Parce que pour moi, là, vraiment, la base de la malveillance vient d'une espèce de rêve de bisounoursisme. Ouais, la base de la malveillance qui nous amène à négliger nos besoins pour que ça se passe bien, c'est vraiment un besoin de douceur et de gentillesse et d'harmonie. J'ai vu partout dans le monde des écoles, des religions essayer d'influencer les êtres humains pour qu'ils deviennent des bisounours. Je vois bien que la société soutient la gentillesse et punit l'agressivité et la méchanceté. Tout le système qui nous dirige, qui nous contrôle, aime bien ça, nous demande d'être gentil.
Et ce que j'observe, c'est que la posture de Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, c'est la posture de notre médiateur, là. C'est la posture d'une personne qui a accepté tous ses côtés obscurs. C'est une posture qui va chercher le juste, qui va chercher la vérité et pas le bon côté des choses. Et donc pour moi, ce qui est important de souligner dans cette vidéo, c'est qu'on a tous ces parties en nous et que c'est important d'être bienveillant envers les trois. Envers à la fois notre besoin de remplir nos objectifs, d'être plus efficace, d'améliorer, d'être plus fluide, d'être plus performant. Et on voit bien dans la nature, toute la botanique nous le montre, hein. Toute l'évolution des plantes sur Terre ne font qu'amener des plantes toujours plus performantes et avec des stratégies toujours plus complexes. Et donc c'est un besoin d'évolution qu'il exprime, lui. Lui, c'est un besoin de relation et de douceur. Et lui, c'est un besoin de justice et d'équité. Et d'arriver à être bienveillant entre ces trois parties de nous, parce qu'elles passent leur temps à se battre en nous. Cette guerre qu'on a vue à l'extérieur tout à l'heure dans la famille, elle est à l'intérieur de chaque être, chaque individu. À chaque fois que je vais être gentil, que je vais prendre sur moi, que je vais négliger mes besoins, il va y avoir un tasse qui s'allume en moi et je vais commencer à être en colère. Et à chaque fois que je frappe et que je suis injuste et que je me bats que pour moi et pas pour le bien commun, eh ben, il va y avoir mon besoin de justice qui va me dire « c'est mal ce que tu fais, pourquoi t'as fait ça, t'es trop égoïste, t'es trop machin ». Et à chaque fois que le justicier il va regarder avec ses lunettes en cul de bouteille et qu'il va regarder ce qui l'arrange, il va créer du trouble. Et là, il va y avoir de nouveau un autre qui va venir le juger et qui dit « tu vois, tu te prends pour un justicier, mais en fait, t'es pas un justicier ». C'est sans fin. C'est sans fin, on tourne en rond à l'intérieur de nous. Voilà, bah, je sais pas ce que je peux rajouter là-dessus, si ce n'est, ben, la prochaine fois que vous êtes en colère, ou vous faites une dépression, que vous êtes triste et que vous savez plus quelle est votre raison d'être sur Terre, si vous savez plus quelle est votre raison d'être sur Terre, c'est certainement parce que vous avez été trop gentil depuis trop longtemps. Vous avez trop mis en question vos rêves, vos besoins pour que ça se passe mieux. Et à la fin, vous faites une implosion, c'est la dépression, parce que vous négligez vos besoins. Et si jamais vous êtes quelqu'un de plutôt colérique qui pète des câbles tous les 5 minutes et qui a tendance un peu à maltraiter son entourage, soyez bienveillant envers vous. Vous n'êtes pas que malveillant, c'est parce qu'en fait vous avez des besoins, des stratégies, des objectifs à réaliser sur Terre. Et c'est important en fait que vous arriviez à trouver un contexte dans lequel vous allez pouvoir les réaliser. Et alors je vais prendre trois caricatures, vu que moi mon domaine c'est la permaculture, que j'ai pu observer. J'ai observé dans le domaine de la permaculture qu'il y avait trois courants. Le courant, alors, je vais caricaturer punky, anarcho-décroissant en colère, le comportement plutôt hippie, new age, l'amour, les dévas de la nature, et puis le côté néo-rural, bourgeois, bohème, à tendance capitalisme vert. Comment on va générer de l'argent avec l'écologie et comment on va faire autrement une autre économie. Imaginez qu'on les mette tous les trois dans la même communauté. Je sais pas moi, Notre-Dame-des-Landes par exemple. Bon, plutôt consonance, enfin si tant est que Notre-Dame-des-Landes ce soit un lieu à consonance anarcho-décroissante, imaginez ce que fait notre néo-rural. Il va dire, mais vous êtes trop désorganisé, puis vous jouez du djembé jusqu'à 4h du mat, et vos tests sont de bouteilles là, moi j'en ai marre, c'est sale, c'est pas machin, c'est pas ma ferme du bec et loin en fait. Et le punk anarcho qui veut faire la permaculture, récup, maison en palette, quand lui il arrive à la ferme du bec et loin, il dit mais c'est bourré de plastique ton truc, et puis c'est la nourriture est beaucoup trop chère, c'est accessible qu'aux riches, ça c'est pas la vraie permaculture. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se fighter. Ils vont se juger en disant t'es trop ceci, et toi t'es trop cela. Et alors que si d'un seul coup on a notre médiateur qui dit donc de ce que j'entends toi, punk anarcho-décroissant, tu veux faire un monde meilleur en dépensant plus d'argent, en faisant une économie sans argent et en étant dans l'auto-organisation, tu veux plus d'autorité qui te dirige, c'est bien ça? Ouais. Et toi tu veux faire la ferme du bec et loin et prouver qu'on va faire une économie verte et qu'on va pouvoir changer tout le monde agricole et tout ça économiquement viable. Et là il dirait ouais, et ben vous savez quoi, toi tu vas par là et toi tu vas par là et ça va faire un monde meilleur parce que vous serez pas ensemble. Les forcer à être ensemble, ce serait exactement pareil que si je forçais monsieur Pigeon qui dort là à faire son nid comme madame Mésange qui dort là, et monsieur, je sais pas moi, troglodyte mignon, et ben je vais tous leur... Je vais tous leur dire, eh ben, le bon nid, le vrai nid des bisounours, c'est un nid parfait qui irait à tout le monde. Et en fait, on s'aperçoit que ce nid, il irait à personne.
Donc le bon nid, c'est le tien, c'est ce qui te correspond, c'est... Le bon nid, c'est le tien. S'aligner à ce que tu es, quoi. C'est ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'on s'aperçoit que les oiseaux dans la nature, il n'y a pas un chef des pigeons qui vient lui dire « Es-tu un vrai pigeon, toi? Tu fais bien un nid comme les pigeons? T'as un plumage de pigeon ?» Non, c'est spontané, en fait. Chaque être dans la nature est ce qu'il est. Est dans l'être. Et pas dans le paraître. Et donc, imaginons que chaque être humain ait une raison d'être bien précise pour changer le monde d'une façon bien précise. L'important, c'est qu'il soit tel qu'il est, avec ses limites, avec ses incohérences. Imaginez que moi, on m'ait forcé, je sais pas moi, à devenir prof de français. Le cauchemar. Ça aurait été un cauchemar pour ma vie, et puis pour tous les pauvres élèves que j'aurais eu dans les pattes, je les aurais persécutés parce que j'aurais été malheureux, parce que j'aurais été à côté de mes pompes, à côté de ma raison d'être. Alors que quand on voit un être humain qui est dans sa raison d'être, qui fait ce qui lui plaît, non seulement on voit que... Qui s'accomplit, en fait. Qui s'accomplit, que tu deviennes musicien, que tu deviennes conférencier, que tu deviennes formateur, que tu deviennes maraîcher, jardinier, artisan, n'importe quoi... tu vas vivre de ce que tu fais, tu seras heureux à le faire. Et... Mais combien d'artisans se sont retrouvés avocats? Combien d'avocats se sont retrouvés artisans? Combien de conférenciers se sont retrouvés profs des écoles à colporter des informations qu'ils aiment, enfin qu'ils veulent pas? J'ai l'impression qu'on passe tous notre vie à côté de nos pompes parce qu'on a tellement peur d'être blessé. Et donc, bah, je crois que d'avoir la bienveillance pour toutes ces parties de nous, arriver à accepter qu'on est des êtres imparfaits, pas finis, avec des limites et des incohérences, et que c'est parfait comme ça, comme les oiseaux, les pigeons, ils sont uniques, ils ont un rôle sur Terre qui est un peu unique, et que c'est bien de l'accepter tel qu'il est, et de ne pas forcer les oiseaux à vivre tous dans le même nid, à manger la même nourriture, et à rester dans le même contexte. Voilà, j'espère avoir été clair. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir.